Johnny Hallyday, la plupart du temps, lorsqu'on vous interviewe, ça donne un peu l'impression qu'on cherche à vous mettre dans l'embarras. On vous pose des questions difficiles, on vous demande quels sont vos auteurs favoris, ce que vous pensez des chaînes de bicyclettes. Pourquoi est-ce que l'on fait ça, à votre avis? Bien, je les comprends très bien. Ils ont devant eux un jeune homme qui a 18 ans, qui a réussi peut-être un peu trop vite, un jeune homme qui a une jeunesse dorée, qui n'a pas toujours été d'ailleurs. Et je comprends que ce succès les choque un peu. Mais alors, pourquoi est-ce que vous continuez à répondre aux questions? Eh bien, parce que de répondre aux questions, c'est mon métier. Et j'essaye de répondre le mieux que je peux. On dit que c'est un métier et que ça s'apprend, j'espère apprendre un jour. Vous avez beaucoup de succès, Johnny Hallyday. Moi, personnellement, je trouve que ce succès est normal. Ce n'est pas un miracle. Il n'y a pas de miracle dans le domaine du spectacle. S'il suffisait de se déshabiller pour être Brigitte Bardot, on ne vendrait plus une robe dans les magasins. Et s'il suffisait de se rouler par terre pour vendre 1 million de disques, ce serait également trop facile. Mais tout de même, est-ce que vous ne trouvez pas que votre succès, justement, est un peu exagéré? Bien, il se trouve que l'argent des gens, je ne vais pas le prendre dans leur poche. S'ils veulent me le donner, c'est parce que ce que je fais leur plaît. Je ne sais pas combien de temps ça durera, peut-être que demain ce sera fini. Au lieu de recevoir 10 ou 20 coups de téléphone dans la journée, j'en aurai plus. Il n'y aura plus de coups de téléphone, on ne se demandera pas ce que j'aurai fait de mon argent. Enfin, il se trouve que pour l'instant ça marche. Je ne sais pas combien de temps ça durera, mais enfin pour l'instant ça marche. On vous donne de l'argent pour faire une chose que vous aimez, c'est ça qui vous plaît. Je crois justement c'est ce qui est merveilleux. Oui. Qu'est-ce que c'est une chanson pour vous? Pour moi une chanson c'est une façon de m'exprimer. Sans parler. Sans avoir besoin d'avoir de la conversation. Voilà. Hein? Et en bougeant. En bougeant. Et mieux encore. Comment vous est venue votre vocation? Eh bien, il se trouve que mes parents... C'est une vocation? Bien sûr. Vraiment? Il se trouve que mes parents adoptifs étaient dans le milieu artiste. Et comme j'étais toujours dans ce milieu-là, il s'est trouvé que ça vienne un peu tout seul. Vous avez toujours eu un rythme autour de vous?
J'ai toujours eu l'ambiance artistique autour de moi. Ce rythme-là et le rythme du rock, vous êtes venu comment? Vous avez pensé, vous avez poussé avec lui ou bien c'est parce que par esprit d'imitation? Pas du tout, je crois que j'ai entendu une fois un rock il y a 5 ans, et c'était nouveau à ce moment-là. Vous vous souvenez de ce rock? Oui, je crois très Qu'est-ce bien que que c'était? c'était du film Graines de violence. Donc, quel était l'air? C'était 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Quelle impression est-ce que ça vous fait de voir que autant de jeunes gens vous imitent? Est-ce que vous en êtes fier? Est-ce que vous en êtes gêné? Est-ce que ça vous fait peur? Non, je crois que ça flatte toujours quand même. Mais c'est une terrible responsabilité. Oui, c'est beaucoup de responsabilité. Tout d'un coup, tout le monde adopte des pantalons parce que vous êtes supposé les vanter et certaines mœurs s'installent, paraît-il, dans la jeunesse parce que ça correspond à vos chansons. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous vous sentez Bien responsable? écoutez, je crois que ça, il y a eu ça avant moi. Je crois pas que c'est moi qui lance cette mode-là. Je crois qu'avant moi, il y a eu d'autres vedettes comme James Dean ou des autres, qui ont lancé des pantalons, qui ont lancé une mode, qui ont lancé beaucoup de choses. Et je ne crois pas être le premier. Comment est-ce que vous faites pour résister à l'idolâtrie des foules? Eh bien, je vis un peu privé. Comment est-ce qu'on fait pour s'isoler alors que vous ne pouvez pas faire un pas sans que tout le monde vous accroche dans la rue? Bien, écoutez, moi j'ai une très bonne recette, moi je vais à la campagne. D'une façon générale, il me semble, je ne vous connais pas beaucoup, mais il semble que vous soyez moins entouré de parasites que beaucoup d'autres vedettes. Comment est-ce que vous avez fait? Parce que dans le fond, vous êtes la poule aux œufs d'or. Il suffit que vous mettiez votre signature au bas d'un papier pour qu'on puisse monter une affaire sur vous. On doit vous en proposer tous les jours. Comment est-ce que vous faites pour résister à tout cela? Écoutez, moi j'ai un impresario qui s'occupe de toutes mes affaires, parce que moi je m'occupe de chanter, c'est tout. Je crois qu'en ce moment, dans la presse, on ne parle de presque personne autant que de vous. On apprend des tas de choses à votre sujet. Il paraît que vous descendez d'un roi. Écoutez, tous les jours, en lisant les journaux le matin, j'apprends ma vie. Vous ne la connaissiez pas avant, du moins sous ce jour-là. Non. Et votre vraie vie, où est-ce que vous l'avez apprise? Bien, ça, je préfère pas en parler. Que faites-vous de l'argent que vous gagnez? Eh bien, contrairement à ce que vous croyez, je n'ai pas fait qu'acheter des voitures. Non, pour l'instant, ce qui compte pour moi, c'est de m'acheter de la terre. La terre, pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la Eh bien, terre? ça représente que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, autour des vedettes, il y a beaucoup de parasites. Et moi, j'ai très peu d'amis. Mais avec les amis que j'ai, je vis presque quotidiennement, comme ce sont la plupart mes musiciens. Et je veux justement m'acheter de la terre pour être tranquille et ne pas avoir trop de gens autour de moi et de vivre ma vie tranquille. On dirait que vous avez acheté justement des voitures rapides pour mieux tourner le dos, fuir votre misère ancienne et une maison et de la terre pour pouvoir y faire durer, faire rester le bonheur que vous avez maintenant. C'est un peu ça? C'est un peu ça, oui. Johnny Hallyday, vous n'avez pas encore fait beaucoup de cinéma, juste une petite apparition dans un film, mais vous êtes ce qu'on pourrait appeler un acteur de cinéma en puissance, c'est-à-dire que tout le monde sait que vous seriez une très bonne affaire pour le cinéma et on doit vous proposer beaucoup d'histoires. Est-ce que c'est vrai? Oui, en effet, on me propose beaucoup d'histoires. J'ai 20 propositions par jour, presque. Mais on me propose toujours, pour ainsi dire, un film où j'aurai une enfance malheureuse, où tout d'un coup je me découvre chanteur de rock'n'roll, que je me bagarre contre des blousons noirs parce que je suis sorti de là et eux, ils veulent que je reste dans la bande. Vous avez le cœur pur, vous, quand même. Qu'est-ce qui vous arrive à la fin? Parce que j'aimerais bien savoir la fin de votre Eh bien, à histoire. la fin, bien sûr, ça finit toujours très bien puisque je gagne beaucoup d'argent. Les impôts gagnent beaucoup d'argent, mon impresario aussi. Et vous vous mariez? Ça dépend avec qui. Des fois, je meurs. Qu'est-ce que vous aimeriez jouer, au contraire? Mais écoutez, on ne peut pas dire j'aurais joué un personnage. Je crois que j'aimerais jouer un personnage qui me corresponde assez à moi et pas tout à fait comme les autres gens m'imaginent. À l'idée qu'on s'en fait. Voilà, c'est ça. Un personnage avec vos qualités, avec vos défauts.
avec mes qualités, mes défauts, ce que je ressens. Et sans vos défauts? Eh bien, je crois que ça sera un peu long à chercher, je crois que j'en ai beaucoup. Et les qualités, il y en a moins? Eh bien, enfin, j'en ai une, au moins que je sais, au moins que c'est une qualité. Je crois que je suis assez sincère dans mes amitiés. Si demain, on vous disait, par exemple, de tout changer, c'est-à-dire que vous n'êtes plus le jeune homme qui gagne de l'argent en chantant et qui la vie sourit maintenant, mais vous êtes, par exemple, l'homme le plus intelligent du monde, seulement vous êtes pauvre et inconnu, qu'est-ce que vous choisissez? Mais je crois que je choisis la chanson, pas pour gagner de l'argent, mais parce que j'aime chanter.